Le rendez-vous est fixé en Ardèche. C'est le grand jour. Le concours du meilleur jeune boulanger de France se déroule près d'Aubenas. Et c'est ici que nous retrouvons Iris. Quelques minutes avant son épreuve. C'est vraiment très important pour moi. Je prépare ça depuis longtemps et là, c'est enfin arrivé. Alors, je vais donner tout ce que je peux. 7h45, la jeune Normande entre en action avec le numéro 10. Monsieur, je suis le 10, celui-là. Pardon. Tout en plein de travail. Okay. Merci. Voilà. Difficile de tenir en place. À quelques secondes du top départ, la tension monte d'un cran. Ça tient pas. Yannick Mazette, le vice-président du jury, donne le timing à respecter. Rendre au bout de 3 heures les tétras propres. La cuisson à partir de la quatrième heure, 1h30 de cuisson. Et ensuite, une demi-heure de présentation. Donc 6h30. D'accord ? Top, on peut y aller. Aujourd'hui, c'est l'application de centaines d'heures de travail pour ces jeunes. Tous viennent d'une région différente et le niveau est très élevé. Quand on vient sur ce concours-là, on apprend beaucoup. Même nous, avec notre expérience, on voit des nouvelles formes, des nouvelles techniques. Parce que aussi derrière, nous avons des formateurs, nous avons aussi des maîtres d'apprentissage qui préparent ces jeunes. Sur 20 candidats âgés de 17 à 21 ans, 5 sont des filles. Jean-Yves Gauthier remarque qu'elles sont chaque année plus nombreuses à se présenter au concours. La boulangerie s'est féminisée, le matériel s'est adapté, les organisations le permettent. Et on voit aussi que certaines années, elles sont bien souvent sur le podium. Et les garçons sont bien obligés de s'accrocher parce qu'elles sont méritantes. Iris s'attaque à la fabrication de la pâte à pain, de l'eau, du levain, de la levure, de la farine et enfin... Tu as mis sel ou pas ? Oui. 24 degrés, c'est ce que les boulangers appellent la température de base de la pâte à pain. Un contrôle est nécessaire pour connaître ensuite le temps de repos. Plus la fermentation est aboutie, à maturité si on peut dire, comme un grand cru dans les vins, et plus derrière on va avoir une mie alvéolée, une texture légère et fondante en bouche. Symbole du patrimoine français, la baguette représente 70% des ventes de pain. Celle de tradition est ici notée avec un coefficient 4, le plus élevé du concours. Une farine de tradition, il n'y a pas d'adjuvant, c'est le grain de blé pur. On a un petit goût de levain, beaucoup d'alvéoles à l'intérieur. Gustativement, c'est meilleur. Elle se conserve mieux également. Iris est en plein façonnage et les coups d'œil vers l'horloge se multiplient. Les minutes s'égrènent. Ça va le faire. Je me dépêche là et normalement c'est bon. Au four, la cuisson du pain dure entre 25 et 30 minutes, température 240 degrés. Chaque four a ses zones de cuisson et c'est pas évident pour notre candidat d'arriver comme ça, de se connaître un four et de ne pas faire d'erreur, c'est pas facile. Quelques minutes de trop ou de moins peuvent faire la différence. Le pain peut être alors sec ou ramolli. Pendant la cuisson, Iris s'autorise une pause express. Fatigué, j'ai chaud. Ce matin, deux candidats ont terminé leur épreuve en retard. Et cela ne pardonne pas sur la note finale. Un point en moins, toutes les 5 minutes supplémentaires. Candidat 9 et 10, 15 minutes. Iris finit, elle, dans les temps. Il y a plein d'erreurs, mais ça va, je suis pas trop déçue. Il ne reste plus qu'à attendre 48 heures pour connaître le verdict du jury.